Évidemment, notre objectif, c'est de faire en sorte que le VITIB soit l'entité que les Ivoiriens attendent. C'est-à-dire la grande vitrine que tout le monde voit et qui emploie sur son site plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'entreprises, plusieurs milliers de personnes, etc. Oui, nous en rêvons, nous aussi. C'est tout un défi, ça c'est sûr, il n'y a aucun doute. D'abord et avant tout, il s'agit de mettre... de créer une base saine et propre qui s'appuie sur des principes d'éthique, de déontologie et de bonne gouvernance, ne serait-ce que pour rétablir la confiance avec les bailleurs de fonds qui nous attendent sur ce chapitre-là. Une fois cela passé, évidemment, je pourrai enfin me consacrer à ceux qui, je crois, constituent la raison principale pour laquelle on m'a embauché, à savoir permettre l'implantation rapide de compagnies de qualité qui vont ici créer des emplois. Côte d'Ivoire is actually the place to be when you have an ambition like that. And why there's an advantage of locating your business here. When it comes to competition between Côte d'Ivoire and the neighboring countries, there is no competition. A number that speaks for itself is take together all the eight French-speaking countries that share the CFA francs as their currency. Côte d'Ivoire alone represents 40% of the wealth of the entire region. La Côte d'Ivoire lance un appel d'offres pour les travaux d'aménagement du site du projet Zone Franche de la biotechnologie et des technologies de l'information et de la communication. Il s'agit de solliciter des soumissionnaires pour exécuter les travaux dans cette zone franche. Elle va créer des emplois et surtout devenir une vitrine technologique pour le pays. Le démarrage du lancement des appels d'offres, qui est une invitation aux entreprises nationales et internationales à soumissionner et à présenter leur meilleure offre pour la réalisation de ces travaux. Surtout avec l'autoroute qui vient là, 15 minutes d'habitants, évidemment, ça donne un atout important pour que toutes ces entreprises viennent ici. En tout cas, je pense que Bassam, c'est véritablement la ville du futur.